Salut YouTube, ici Mikado, on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire de Yuan Bo dans l'Empire Immortel. Alors, on a les frères où ? Merci du coup, Camp, ton follow, bienvenue. Salut El Cardito. On a les frères où qui débarquent ici, qui vont prendre le territoire. Alors ils vont le faire, y a pas de souci, hein, vraiment, normalement. Leader of men. Alors des fois ça peut bloquer un peu, voilà. On a les deux ensemble. Ça y est, ils débarquent en Lustrie. Ils vont capturer ça. Et après on va voir pour le reste. Ensuite, alors ici on tente. Ah non, pas ici. Ici ça monte, voilà. C'est ici, on tente une embuscade haute avec les trois. La dernière fois on l'a tenté. On a déjà tenté une fois, ils sont tous fait repérer. On va voir comme ça. Sachant que lui va récupérer en attendant le roc écorché et pied de porc. Si. Peut-être que pied de porc faudra un autre seigneur. Au pire, on se déplacera et on verra ce qui se passe quand ils attaquent la ville. Mais la zone est quasiment libérée. Ah non, quoique. Eh, il va loin, hein. Il va loin. On récupérera ça. C'est pas trop pour nous, donc attention quand même. Je vois que c'est en orange. Voilà, ça maintenant c'est imprenable. Totalement. Ici, on attend. Amélioration. Allez, on améliore. Ouais, c'était pour la reconstitution. Ici. On est à 280. Wow. Wow, wow, wow. Ça y est, elle est en équilibre celle-ci, oui. 1700, 1000, 1245, ça va aller un petit peu plus, pour l'instant on est à 1221, elle rapporte la province. Pas de soucis. Là, je peux rien investir, on n'envoie pas de caravane, la direction de la boussole, bah, et c'est du ravitaillement défensif, c'est la reconstitution chez nous, en plus de ça on a... La capacité des guerriers ancestraux, je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux. On pourrait bien sûr essayer d'aller chercher à chaque fois la comment. C'est pas celle-ci. Oui, c'est peut-être elle où on peut avoir à la fin... La comète, je sais plus où elle est. Si, si, c'est là. C'est dans la corruption, la colère de l'empereur, usure extrême de l'autre côté du Grand Bastion. Et du coup, l'intervention céleste qui, bien sûr, fait mal. Encore faut-il avoir un pack pour bien la caler. Donc, on est bien équilibré là. Je sais pas comment on a fait. On va voir. Correct. Our bargain will be inscribed in Klinkaroon. Binding, enduring. Peut-être avoir une petite alliance avec lui. Non? Attendez. Sectra the Imperishable. Ah, faut voir. Take what's theirs. N'importe quoi. Enfin, à mon avis. Oh, tu me diras, ils sont tous morts, hein. Ils sont tous morts. Un commerce avec lui, ça donne quoi? Ça de ressources à amener pour lui. Avec un petit 8000, waouh, tu me diras non.
Je sais pas si ça leur donne la vision des fois. On va éviter. Salut Fenrir. Salut Daes. Alors c'était comment la CitizenCon? J'ai pas encore regardé moi, hein. Je regarderai la rediff. Parce qu'hier moi j'étais sur... généralement le samedi, avec ma femme on se prend un truc à bouffer. On se regarde un truc et... Plus rarement, mais là en ce moment on le fait pas mal, c'est qu'on se monte des petits Lego qu'on a simplement, qu'on a acheté ou que j'avais déjà. En ce moment on s'est fait plaisir, on a acheté récemment le Bowser. Première moitié, regardez qu'il est beau notre moteur, achetez-en. Notre moteur. De jeu ? Alors. Tiens, on y va, hein. Pas besoin d'appeler à l'aide, faut surtout pas qu'ils interviennent. Ridiculous. Je peux largement le faire en auto-réseau. Marching to war. Bring this settlement into cafe. Couvre les dégâts légèrement abusés, mais après, bon. On a l'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Donc, déjà, on est un. Est à terre dans cette zone. Ill-considered. Short-sighted. You have done well to make it this. Là, ils ont plus de ville, ils peuvent que mourir, sauf s'ils viennent, hein, bien sûr. Subterfuge is the order. Et après, on va bien sûr passer autre part. From the front. Mais tu me diras, on a pas de passage là qu'on veut aller là. Ah, faut vraiment sortir à chaque fois, donc on va se mettre au bord. Hein. This victory is not mine, but all... Ok. Le système de cartes qui va de la carte locale à la carte système, d'accord. Ici, on s'est fait découvert. Ça sert à rien. Cathay needs them dead. Hein? Oh putain, avec ça là, l'esprit embrouillé là. Oh. Warden of the Great Bastion. Ok. The Emperor's chosen daughter. Pour arriver à les attirer, c'est pas simple. Ah, c'est rouge ici. Ah non, alors on va rien investir si ce n'est là-dedans là. Hop. C'est bon, il est équilibré, oui. Côté chips, ils ont surtout indiqué de concentrer sur RSI et ne plus du tout travailler sur les Banu, car ceux qui travaillaient dessus ne travaillent plus pour CIG. Le Mercantman, on est où? Ah bah bravo. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise nouvelle? Elle arrive comme ça, elle t'aborde. Lick, le vaisseau il travaille plus dessus. Mais à jamais. J'arrête. Ça marche trop bien là, hein. J'arrive trop vite à activer les larmes là, c'est pas normal. Hein. Bah, de toute façon. I will make my ancestors proud. I crave. Je sais plus s'ils peuvent sauter dessus directement.
observe my orchestration. Pas. Food and rest is scheduled. Moron. Follow the Iron Wind. The House of Secrets grants rest. Such a thing is impossible. Deux armées comme ça, je demande à voir quand même. Hein. Non à venir dans les 12 mois. Ouais, mais ça. Ah, de quoi? Ils sont juste en train de dire qu'il va y avoir des nouveaux vaisseaux qui arrivent, c'est ça? Pour compléter un. C'est ça? Bon, cette année, 12 vaisseaux sont préparés pour les porte-monnaies. Et là pour l'instant fais rire. C'est moi ou tu me vends zéro rêve là? Parce que explique moi Là tu me racontes. Là ce que tu me racontes pour l'instant Fate reveals a path. We must become. J'ai 80 là. Taking action. Alors ça va peut-être essayer de le faire bouger ça. Two arms in Zheng Yang's name. Mais oui, mais. Claimed for the Emperor. Viens prêcher de bonnes nouvelles. C'est, alors est-ce que du coup. Enfin, je sais pas, on en est où dans le. Merde, j'ai même plus le terme tellement ça fait longtemps là. On en est où côté serveur pour décharger, enfin la technologie pour décharger les serveurs en multi. Pour instancier tout le monde, pour sauver la galaxie. On en est où? Du concret là. Squadron 42 là, ça y est, il sort dans 2 mois ou pas? C'est quoi son armée? Des canons, des tireurs, de la cavalerie, de l'infanterie. Donc ça j'ai boosté. Je voulais booster les canons, c'est ici. La cavalerie, c'est ici. Les gros monstres, c'est là. Regarde Pierre. Gros monstres, on en a que deux. Hein. General. En fait, j'ai tellement de points que... Ah ouais, c'est ce qu'il faut, hein. Tous les points que je voulais là. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Armure, sens, charge, puissance, munition, puissance. J'ai deux sentinelles. Trois cavalerie, charge puissante. On va prendre charge puissante. Le meshing, je cherchais le terme là. Je sais pas si tu l'as écrit sur le chat, mais en réfléchissant en même temps que je joue. Va falloir refaire un petit tour. On va le faire maintenant, tiens. Alors, ici, on est en mode recrutement local. Voilà, ça se tient. Ici, alors ça c'est les... Ouais, donc on passe sur le pognon, hein, c'est bon. Équilibré pognon. Là c'est déséquilibré, mais c'est la corruption, c'est normal. Là il n'y a rien. Là... Normalement on peut passer sur le pognon, il n'y a aucune raison à le faire. Là, on passe sur le... J'ai mis quoi? Autorité, chance, ok. On peut passer sur le pognon. Déséquilibré et c'est niveau 5 fuchsia, faudra que je m'en occupe. Ici c'est déséquilibré, c'est niveau 5. Qu'est-ce que je fous? Au prochain tour on va regarder un peu ça là. Ici on peut le pognon hein, puisque de toute façon
Là, c'est le recrutement local, c'est normal. Et encore que... Lord Magistrate. Franchement, j'ai presque envie qu'ils essayent. Hein. Another time. Oh, mais attendez. It benefits the Empire. I serve. Ah, si, si, je vais souffrir d'usure. S'il m'attaque pas au prochain tour, j'ai le seum. Hein. Voilà. On en était là. On est à moins 1. Un droit de douane. Les guerres. Oh, l'attaque en mêlée en plus boostée. Pas mal ça. Allez, on met le pognon partout. On s'embête pas là. Allez, c'est bon. On mettra un coup de boussole. Attendez, non, normalement c'est assez différent. Ouais. Quoi que toi, c'est le recrutement. On va tout mettre le pognon au plus partout là. Et ici, pour l'instant, on touche pas, on s'en fout. Fin de tour du coup. Attention. Ouais. Alors. Ils ont monté une démo technique, même pas un... Ouais, donc ça avance, mais encore rien de réaliste à montrer, dire sur le sujet. Pour Squadron 42, il est feature complet égal bêta soon. Bêta soon. Soon J'en parle aujourd'hui, je crois, pour le serveur meshing, comme dit plus haut, juste des mots techniques qui donnent aucune info sur l'avancée réelle, donc à part croire. Ok. C'est écrit sur SC pour 6 mois. Ça va saouler les autres. Ouais, non, mais t'inquiète, ils dorment tous. Moi j'ai que des vieux, hein, tu sais. Hein. T'inquiète donc pas. Tout ça à la sieste là. Normalement dans une demi-heure il y a quelqu'un qui leur apporte le souper, mais après. En vrai, on ne devrait pas avoir aussi mal que est déclaré là. Hein. Est-ce que les foreuses font mal au départ avec leur sort là à la con? Mais après. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté les dégâts d'ailleurs de ce truc, non? Je sais pas s'ils l'ont pas un peu revu à la hausse. Cette AOE là. Ça, faut bien séparer les unités pour éviter de s'en manger deux, simplement. Oh putain. J'ai oublié de donner à l'IA. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec les Gatling et tout, normalement, enfin...
Yuan Bo là peut prendre cher bien sûr par les Gatling, mais le reste, je fonce sur l'ingénieur, c'est bon. Hein. Par contre, quel terrain de merde! Et de merde! Mais au secours! Et tu tires où ici? Tu tires pas? Voilà! On s'empête? Defenders of Cathay! An Aegon guard! Cannons! Oh bah ça me fait mal au cul là. Bon, normalement, je vais pas trop me faire flanquer. Ça devrait le faire. Ouais, je vais clairement foncer à... Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'est la merde. Surtout que j'ai... Bon, j'ai des renforts dans 57 secondes et les autres, c'est 2 minutes là. Ils sont plus longs que moi. Allez, allez. Je vais chercher le seigneur là. Je vais le défoncer. Apparemment, c'est le sorcier. Allez, hop, on va le chercher. C'est quoi, même avec ça? Il y a une Gatling, je vais lui faire un renvoi tout de suite. Ça va être fait au moins. Ils sont, vous êtes tous plus vieux que moi. Gentil, vous me faites passer pour un jeune. Alors. Au cas où, je vais quand même le rapprocher. Oh putain. Jamais y arriver. Oh putain, c'est la merde! C'est la merde! Oui, je suis dans la merde! The dragons march in ordered ranks.
Seeing harmony! Sorcerer of secrets! Sent by Shanya! Riding the winds! Acolyte of secrets! Voir si ça les rattrape. Non. Ça fait penser du coup à des machines pour laver les véhicules, ça. Les trucs automatiques là. Oh. Tous plus ou moins fuir, hein, c'est bon. Plus avec la vitesse.
Là, j'en ai que deux, normalement. Mais là, en ce moment, j'arrive pas à lui donner des troupes de renfort parce que je suis entouré de Skaven. Et un petit peu d'elfes noirs. You will learn your error. I can promise little as a mere administrator of my parents' land. Ah, c'était pas sur le bureau, hein. On fait pas les mêmes bêtises. Alors, non. I trust you will not waste my time. Non, toujours pas. Ça y est, il me lance une bataille. Je peux essayer de sniper le seigneur avec 3 artilleurs. Vargas, tout ça. Ah, j'ai 2 canons d'ailleurs qui peuvent le défoncer aussi. Ok. Bah écoutez, 1, 2, 3. Ah, ils sont 4 quand même. Hein. C'est quoi la carte? J'aurais rêvé. Je pense qu'ils vont tous venir de là. Si je la joue là, ça doit être assez chiant, non? On s'en fout, hein. J'irai par l'IA aussi. Ils ont beaucoup de volants. Ah ouais, putain, ça squatte. Hein. 2 chauves-souris, 3 chauves-souris. Donc, il n'y a pas de terror guest. Il y a des varguest. Les varguest peuvent s'aligner facilement avec ça. Les artilleurs canon grue. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va quand même mourir. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Puis après, il peut les débuffer. Hein. Si je la fais en auto-réseau, ah ouais, je veux la faire. Peut-être je vais le regretter, mais je veux la faire. Elle est trop belle. Ils sont nombreux, de fou. Oh, ils vont être... Ah ouais, mais ils vont être limités. Il n'y a qu'en WAC que tu peux faire rentrer 4 armées. Et Jurnus. Clairement, tu peux décider d'avoir plein d'ennemis différents. Oh, après, la carte, elle est pas si moche pour moi en vrai. Regardez. Je peux littéralement reculer. Je pense pas qu'il va oser venir en contact. En plus, il y a un petit décor chiant là. On a juste à la jouer défensive. J'aime comment ça se profile. De toute façon, on va tout reculer. Comme ça, hop, on replacera tout après. Ça, c'est mes gros renforts en plus. C'est mes gros renforts. Bon. Et bah du coup... Alors
Alors je voulais refaire un moment un peu son armée à lui parce que elle me plaît pas trop. Trop de défenseurs, il y a 3 héros. Et qu'un truc pour à la limite accompagner lui en dragon. Je sais pas si je préfère pas eux comme ça. Eux comme ça. Oh s'il te plaît, fonce pas comme un débile hein. Par contre hein. Dragon Guard. Guided by ancestors. Zendyang sends us. Move in formation. Ready as always. Cavalry. Ça va ramer ou pas? Je pense qu'il va me perdre des canons lui. C'est même sûr. Alors on va éviter s'il vous plaît. Ok d'accord, ça force pas mal. Pour l'instant, à part intervenir là-dedans, on peut pas faire grand-chose. On se fait enfoncer salement quand même, hein.
ça y va. Hein. Avec les Vargas et tout, ils y vont. Hein. Pour l'instant, je dirais c'est chaud. Hein. On va sûrement perdre beaucoup de tireurs. Après, si on tue un seigneur, on se met bien. Par... Attends, non, me dis pas par contre. Non, c'est bon. J'ai cru pendant un instant qu'il y avait la perte de morale abusée là qu'ils ont là. Non, s'il te plaît, arrête de tirer là, c'est mes troupes que tu shootes. Tu les. Mais non, mais putain, mais vous savez qui tire sur... Je déteste l'IA. Il est où mon seigneur? Là. Non, mais c'est pas normal par contre que... Après, ils nous ont détruits. On protège les nôtres. Allez, hop. Pas grave. On va m'expliquer comment il s'est redonné autant de points de vie, lui. Allez, c'est pas grave. Il nous reste plus que le corps à corps, mais bon. C'est même... l'invasion qu'ils nous ont fait, c'est bien joué. Hein, ouais. Et après, je sais que je vais pouvoir faire très mal. Genre là, par exemple, paf. Je jurerais de te dire d'attaquer là-haut, mais c'est pas grave. Ils m'ont dévasté ma ligne de... Et là, je crois qu'il reste plus que du squelette après. S'il te plaît, fais un effort et monte et tue ce seigneur. Vole, petit oiseau. Vole. Voilà. Et maintenant, tue ça. Il est où, mon... Oh, putain. Voilà. Ça, faut pas le laisser... C'est bon? Allez, je crois qu'il y en a un dernier. Il est là-bas, le seigneur. Voilà, je le shoot pendant ce temps-là.
Putain, mais j'arrive pas à le... Avec le tambour et tout qui tape, c'est stylé quand même. Bon, ils ont plus de seigneur. Je vais foncer dedans en mode au sol. C'est pas la bonne armée, non? Ah, ils m'ont foncé. En vrai, c'est vraiment bien joué. Ils ont chargé d'un coup. Le move était beau. Attention, on va faire un petit coup de nettoyage. Et là, fais voir les dégâts que ça fait. Ça va. Et une deuxième couche. Je veux provoquer la peur dans les ennemis, donc du coup. Avec le tambour qui tape partout là. Je sais pas quel truc il nous donne. Le 24 d'armure. Le pire, c'est qu'ils sont capables de revenir. Ouais, elle était belle. Mais putain, ils m'ont chargé en vol avec tout en même temps. J'ai fait... Oh, à l'aide! À l'aide! Puis au final, tous mes tireurs ont eu peur. Ils ont vu la masse, je pense qu'ils ont vu une ombre. Ils ont fait... Oh, c'est dans la merde. Et Vargas, tout ça qu'on fait. Il perd une cavalerie. C'est tout. 14 000, ça paye. Par contre, niveau régène... Ah non. Test subjects. Ouais, mais par contre, voilà. Alors, ils disent qu'on gagne encore. Non, c'est bon, on a vu l'invasion. Remarque, il y a... Non, vous voyez,
Ne serait-ce que 5 Vargas, le temps que ça... Enfin, là, il fera trop mal, là. Non. Beaucoup trop mal. Supreme recklessness. The Jade Dragon. Alliance défensive, non. What honor you do me with this embassy? Et on va accepter parce que de toute façon, je sais pas. Peut-être qu'en fait, il voulait avoir des news de ses potes Elfes Sylvains. Ouh. Alors, on va peut-être pouvoir normalement en refaire une après. Ah, ça les a bien attirés, n'empêche, hein. The Iron Dragon. Là, le problème, c'est que j'ai zéro régène. Fight in perfect harmony, an extension of the Empire, natural authority. Ok, ils sont un peu énervés là. Je pense qu'ils peuvent recruter de bonnes choses. Ouais. Mais ils vont pas pouvoir recruter autant d'armées qu'ils le voudraient. Bah écoutez, comme j'ai perdu un lion, ça va m'arranger un peu. Au moins. Je voulais pas de lion avec lui. Puis de toute façon, maintenant on est contre les vampires. Donc, au mieux aller chercher des bons longmas. Une bonne cavalerie là, avec des lions. L'alchimie, c'est quand même chiant de l'avoir perdu. Ce que je peux faire, c'est carrément partir comme eux là-bas. Défendre ce côté-là quand même. Si je, tout le monde part là-bas, on va pas kiffer. Hein. Et si je sépare Miao, je suis pas sûr. En fait, pied de porc, je suis pas obligé de la capturer tout de suite, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que je puisse quand même défendre cette zone. Pour moi, Zhao et Hongzhu, ils vont aller là-bas, à fond. Et du coup, Miao, elle va revenir ici. Et on va voir si je peux peut-être en provoquer quelques-uns, reculer. Et après venir avec ça, plus ça. Ah, ils osent toujours pas attaquer. Hein. Et maintenant, on est en défaite. Oh. Alors que je veux jouer moi la bataille hein. Je veux la jouer en vrai hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va me la mettre à l'envers là. Alors qu'il y a une armée juste à côté de lui. Ils sont en paix. Ça y est, ils sont plus en guerre. Ça va se retourner contre moi ça. Oh ça c'est sûr. Hop 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 hop. Ça veut dire que dans pas longtemps j'ai les deux sur le dos. Et ils vont être contents à ce moment-là. Oh oui, je vais avoir les deux sur le dos. Ah, attendez. Pomme, il faut la rééquilibrer. Faut la rééquilibrer. Donc, un Yang là. Pas un truc commercial donc d'ailleurs je pourrais faire ah, aucune raison
Non, parce que je vois pas l'affichage et pourtant on est d'accord que ça marche. Ouais, ouais, ouais. Alors. Droit de douane est généré et là, droit de douane, prix de vente de la cargaison. Donc là, par exemple, je préfère celui-là. Là, c'est rendu héros recruté plus 3. Bien sûr que je le préfère. 100%. Ici. C'est les Yang qu'on préfère. Les Yang, normalement, c'est les unités corps à corps. À chaque fois, j'ai cette hésitation. Je sais pas pourquoi, mais oui, normalement, c'est ça. Ça se vérifie là. Défense du Yin, donc le Yang, ouais, c'est corps à corps. Vaut mieux avoir la régène sur les corps à corps, c'est eux qui prennent normalement. Sauf quand il y a beaucoup de volants. Je vais faire celui-là. J'en ai deux qui vont passer. Je crois que je peux en faire un dernier. Il n'y a pas d'autres bâtiments, hein, on est d'accord? Non. Et là, oui. Donc là, déjà, celui-là, il saute. Il saute. Merci, Orvano, pour le follow. Bienvenue. Salut, Hervédin. Je sais pas si je t'ai salué. J'espère que tu vas bien. Donc là, si j'ai deux Yang, trois Yin, donc il y en a un qui... doit sauter simplement. 2, 3, donc je vais en faire sauter un et du coup bah celui-là. Et normalement ça serait équilibré, je mettrai autre chose dedans. Alors ici. Deux autres armées qui débarquent. Ici, c'est en recrutement. Chosen by travelers. Eye of the Emperor. Ok. Sachant que je ramène cette armée là cette fois. The dragon blooded. It is my call. Et elle avec. C'est elle qui va donner le lion, le soldat et le canon. Alors du côté des frères, je pourrais l'achever lui, comme ça on n'en parle plus. Rakars, je le vois là. Pour l'instant je peux pas m'en occuper. J'ai quasiment full régène donc on peut y aller. General of the Celestial Host. For honor, not fame. Chaque fois, c'est l'armée du frère qui prend cher. Hein. Il bouge pas beaucoup. Hein. There is no advantage in punishing. On va choper celle-ci. Et après, je vais sûrement déclarer la guerre aux hommes bêtes. We will reach our destination. Storms or not. Voilà. Magistrate reporting. On l'a dit ici.
Alors, en regardant la portée, je pense qu'en étant ici, c'est à peu près leur maximum. Si je vais jusque là, normalement c'est bon. Miao, elle va aller là. I serve the dragon. City commander. As my siblings would do. Master of the. Qu'est-ce qu'il a perdu lui? Ah, une de cavalerie, je pense. The desert. Et lui, c'est un alchimiste, un lion. Ouais. Donc on pourrait recruter un longma. Okay. Sachant que je peux recruter là-bas. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines villes qui pouvaient être niveau 5, donc on va le faire. Ok, les petits points au 30 Kian ou Ian, du coup, qui est la cavalerie. I would take that to defend my soldiers. Kian, du coup, lui qui est l'infanterie. With that, I would lead more effectively. Upper hand, indeed. On guard. A tool of great efficiency. It is mine by blood rights. Plus ou moins tout ce que je voulais, je peux la mettre en automatique. Hop, avec ça. I will be obeyed. Ying. I was born to wield it. Voilà. Ordre disponible. Corruption, tout ça, avec la défense. Donc là, normalement, il y en a certains, à mon avis, vont vouloir s'attaquer à Miao. Elle devrait reculer suffisamment. La direction de la boussole, j'y touche pas. It is good to see you. Much has changed. Ça va bien. Oh bien, on avance tranquillement sur cette campagne. Et en vrai, même avec autant d'invasions et tout, enfin, je comprends que ça peut être embêtant côté stream d'avoir des campagnes qui durent aussi longtemps. Ça fait du coup depuis la sortie du DLC que je suis sur ces trois campagnes. Je prends du plaisir à les jouer. Oh putain. Est-ce que si je recule, j'ai la portée ou pas? This is not a sagacious move. Ouais, mais ça on s'y attendait en fait. They are rough. Laisser zombie squelette nul avec un seigneur.
un seigneur avec des trucs nuls et un seigneur avec en vrai des trucs nuls aussi. Le problème c'est qu'ils sont probablement tous assez haut niveau, hein. Pour être sur Terreur, Guest, Dragon, tout ça, non? C'est quoi la carte? Ah non. Another time. Pas grave. Votre allié est attaqué. En guerre, hein. Ah, la petite bataille. On va faire ses côtés YouTube. On s'arrête là. Je vous dis au prochain épisode sur cette bataille de forteresse. Ciao, ciao.